Oui, bonjour les bêtes, et bienvenue sur la PS1. Mais aussi surtout avec Lara Croft. Ah, cette queue de cheval mieux travaillée que tout le jeu. Le bâtard, déjà dès le début. Ah oui, c'est vrai que dans un village de païens. Où sont les païennes? Hein? Où sont les païennes? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Attends, ils ont des skins différents. Il y a du travail de fait sur les skins. Allez, arrête! Ah ah! Non mais putain, mais tu te fais exprès, Lara? Ah ah! Putain. Ous! Alors? Oh, la puissance de Lara est telle qu'il s'en est volatilisé, le mec. Ah, elle l'a envoyé au 7e ciel direct, la petite Lara. Direct. Ça peut se comprendre. Moi, ce serait pareil. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces maisons? Des cartouches de munitions par balle? Hein, bien sûr, ce serait logique. Des armes à feu? Un lance-roquette? Minimum, hein, les païens, ils avaient ça. Non, vous inquiétez pas. Vous savez, moi depuis que je fais Tomb Raider, bon, faut avouer. Faut avouer que Lara l'a récupéré des items. Par exemple, dans le 1, on récupère des magnums dans une salle secrète dans une arène de gladiateurs. Ou de. Je sais pas. Ou une arène avec des lions. Je sais pas si vous en souvenez. Hein? Mais la logique, elle est pas là. Ça remonte, hein. Putain, Tomb Raider. Hein. Putain, le premier Tomb Raider, putain. Où j'avais encore mes problèmes avec mon ancien mixeur. Qui niquait mon micro, j'en avais ras le cul, je jonglais, j'arrêtais pas de jongler avec ça. J'étais pas. J'avais pas. J'avais pas. J'avais. J'avais ah, vous savez, je. Fuck! Vous savez, j'avais pas beaucoup d'argent à cette époque. Bah, c'est comme aujourd'hui. C'est un peu compliqué maintenant. Aujourd'hui, faut se préparer au pire maintenant. Aujourd'hui, il faut vraiment se préparer au pire. Quand tu vois où la France elle se met. Alors là, il y a le mec qui va. Ah! Je savais que t'étais là! J'espère qu'ils envoient pas des fléchettes empoisonnées par contre. Vous savez, leurs petits trucs là, comme dans les films, ils ont. Comme ça, ils s'envoient des petites fléchettes empoisonnées. Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, ce petit truc là qui permet de jeter des petites fléchettes là. Comment on appelle ça? Faudrait que je m'y intéresse. J'aime bien m'intéresser. Alors là, ça m'amène où? Ah! Mais putain, mais! Je me disais bien qu'il y en avait un qui se cachait derrière pour voir le cul de Lara, ça, je savais, ça. Eh là, mon petit coquin, viens là, descends, hein, tu peux pas, hein! Tu peux pas, la pente, elle te fait peur, hein! Putain, même les singes, j'ai plus de couilles que toi, c'est pas possible. Vous avez même pas de petits medikits, quoi! Je vous montre pas des balles, mais au moins des medikits, quoi! Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, on avait quoi comme arme? On a récupéré le shotgun, c'est vrai. Mais avec 10 balles, je peux pas utiliser. Des artigueules. C'était très très pratique contre les tourelles. Le lance-grenade, donc on avait récupéré. Mais on a reperdu les Uzi qu'on avait trouvé un moment. Dans une salle secrète d'ailleurs. Ah, tu faisais ton footing, pardon. Pardon. J'en ai rien à foutre. T'es sur mon passage, bâtard. D'ailleurs, petite safety. Us. Ouh. Ouh. Voilà, là, la roue. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. J'ai monté des barrières. Bon. Qui doit être à l'autre bout. Là, j'imagine que c'est de la boue qui va me tuer. Hein? Y a rien là-bas, hein? C'est juste du décor. Et là, t'as un putain de sort de serpent des marais, là. Qui sort. C'est incroyable. Alors attendez, faut que je fasse comme ça. Ça va pas le faire. Hein. Ah, fait chier. Est-ce qu'elle tombe si je vais dessus? Non, ça va. Ok. Ah! Mais vous êtes immortel ou quoi? Mais crevez! Mourez! Oh, tu. Que j'ai un anti-aideur, je suis chien! Les antiques croyants, hein. Incroyable, ça devrait être païen.
Alors, il faut savoir que le terme païen est un nom que les chrétiens donnaient aux gens qui viennent d'une religion antique, je crois, hein, un truc dans le genre, d'une ancienne religion en fait. Et qui n'adhèrent pas à la nouvelle religion. Par contre, c'est pas un. Et pour moi, tu peux pas grimper là-dessus. Genre, il y a un trou là-haut, tu veux pas y grimper. Hein? Hein, Lara? Je pensais que, voilà, les trous et nous, on s'y connaissait bien maintenant, ensemble. Mais il y a une cabane en plus. Mais il y a une cabane là-haut. Comment on va là-haut? Attends. Comment on va là-haut? Il y a un truc là, c'est sûr. Il y a un truc à filouter quelque part là, c'est pas possible. Tu m'as pas mis juste un levier là, il y a quelque chose, il y a un truc caché. T'as pas mis ça là-haut pour rien. Là où il y a le lance-roquette, hein, je le sais, je le sais. Le fameux lance-roquette qu'on attend depuis le début de l'aventure. Mais tu peux pas grimper là-dessus, quoi. Ouais, bon, on va retourner dans le village. En tout cas, j'adore cet environnement. Là, c'est vraiment Tomb Raider. Là, je suis désolé, hein. Mais là, on est vraiment sur Tomb Raider. J'aimais bien quand même le coup de la zone 51. On avait les aliens à un moment. Bon, on n'affrontait pas les aliens, mais on avait les aliens. On avait un peu ce petit clin d'œil à la zone 51. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vrai que c'est vraiment cool, contrairement avec la prison. La prison, un peu long. La prison, quand t'avais pas d'armes, c'était un peu long, je trouvais. Parce que tu peux pas te défendre. Et moi, quand tu peux pas te défendre, c'est chiant, je trouve. Et en plus c'était super morose quoi. Putain, le coup de la prison. Il y a des moments où je me faisais chier. Je le disais pas. On va faire gaffe au feu, hein. Une fois mais pas deux. Mais ouais, le coup de la prison. C'est vrai que c'était un peu plus chiant. Après la zone 51 en elle-même, ça va. Mais ouais, la tôle, ouais, non mais la tôle, c'est vraiment chiant. C'était vraiment chiant. Ah! Oula, oula, oula. Oula, 2 secondes, 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 2 secondes. Tu peux plus grimper, je peux plus grimper. Fuck! Double fuck! Oui, ami? Ayo! Oui, quoi, Mi, hein, moi je veux savoir. Je sais même pas où ça mène, ça. C'est sûrement le village de ce que je vois, il y a un truc derrière, mais je crois que c'est le village. Mais c'est quoi, Ayou, là? Et vous avez entendu, il y a Ayou, j'ai même pas vu tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui parle ma langue dans le coin. Hein. Ok. Mais putain, mais ça respawn tout le temps, oh merde! Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, te barre pas, te barre pas, te barre pas, voilà, merci. Non, mais attends, on va pas me la faire. Non, mais ils disparaissent tous les corps. Ah, mais ça apparaît comme ça, c'est genre, c'est dinguerie, hein. C'est une dinguerie, hein. T'as rien, tu m'as rien lâché, toi. Y a rien qui me lâche, y a personne qui me lâche quelque chose, hein. Que dalle. Et là-bas, il y a ce cristal de sauvegarde. Pour une fois qu'on a un cristal de sauvegarde, pas loin d'une nouvelle mission. Putain. Vous vous rappelez, la prison? Tu viens d'en parler il y a 2 secondes. Ouais, mais je trouve qu'on n'en a pas assez parlé encore. Donc la prison. Vous aviez qu'un cristal de sauvegarde. Attends, la prison, je crois que j'ai eu 2 ou 3 cristals de sauvegarde, je crois, dans toute la map de la prison à la zone 51. Au final, on n'a eu que 3 points de sauvegarde. On est d'accord. Bon, attends. Si je fais le compte. Voilà, t'en as 24. À moins que t'en as plus que ça. Genre, un cristal de sauvegarde, c'est équivaut à plusieurs cristaux de sauvegarde. Peut-être. Peut-être que je suis mauvaise langue. Parce qu'à 24, j'ai pas récupéré 24 cristaux de sauvegarde. Moi, ça, je m'en souviens pas. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que lorsque tu récupères un cristal de sauvegarde, t'en as plusieurs à la suite. Ok, c'est ici. C'est ça que j'ai déverrouillé de l'autre côté. Donc là, on est encore dans le village de païens. De païens. De païens. Putain, j'arrive plus à parler. Le village de païens, putain. Il y en a qui font de la zig sans mes biches! Ça va pas le faire! Je l'ai vu, hein. L'entrée. Je sais qu'il y a plein d'endroits que j'ai raté juste avant, je sais, j'en suis conscient. Ou peut-être pas, ou peut-être que c'est vraiment la suite. Peut-être que j'ai rien raté au final. Je vois que dalle. C'est parfait, j'adore ma vie. Dites-vous que moi, après, quand je revois mon montage, vous voyez beaucoup mieux que moi. Hein. C'est dingue, hein. C'est dingue. Et si j'arrive à voir, c'est que vous arrivez quand même un peu à voir, vous.
On va y arriver avec le temps. T'inquiète, on va y arriver avec le temps, bibiche. Reste dans le mur. Y a pas de souci. Voilà, parfait. Et toi là-bas, viens ici, viens, 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 viens. Porte tes couilles là. Putain. Comme aujourd'hui, y a que des mecs, hein. Y a plus d'hommes. Hein. Alors, c'est ça. Alors, faut savoir une chose, hein, mademoiselle. C'est par exemple une racaille, c'est un mec. Un militaire, c'est un homme. Tu vois la différence déjà? Non, parce que des mecs, ça t'en aura plein. Hein. Je dis aux demoiselles, les jeunes là, les 18 à 25. Les demoiselles, vous en avez plein des mecs. Il y a ça, vous y en avez beaucoup. Mais des hommes, c'est différent. Et encore, je dis militaire, ça peut être des hommes, mais c'est aussi des mecs comme militaires. Et c'est comme une femme, hein. C'est pas parce que vous faites votre première fois que vous êtes devenu une femme. Non, ça marche pas comme ça. Quand vous êtes autonome, vous avez votre. Oh, bien, 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 bien. Attendez, deux secondes. Vous êtes autonome et que vous avez tout pour réussir. Vous savez payer vos loyers et tout ça, votre électricité et tout ça. Là, ouais, vous commencez à devenir une femme. Une femme indépendante, mais une femme. Et c'est même très value d'ailleurs, une femme indépendante. Moi, je préfère largement sortir avec une femme qui sait bien dans la vie, qui connaît un peu la vie en général, qu'une meuf, même si elle est ultra mignonne, qui connaît rien de la vie, quoi. Enfin, vraiment, c'est juste chiant. En fait. C'est quoi ça? Enfin, c'est mon avis personnel. Hein. En tant qu'homme. Enfin, moi, je suis pas un mec, je suis un homme. Je sais pas ce que je viens de récupérer. Même si je fais un peu le beauf, excentrique, hautain. Ça n'empêche que je sais ce que je vaux. Je suis pas un glandu qui connaît rien de la vie. T'inquiète, j'ai bouffé dans ma vie. 70 métiers, en gros. 70 métiers. J'en avais déjà fait, j'avais déjà fait une vingtaine de métiers différents. Beaucoup en intérim. Avant même mes 20 ans. Enfin, 20 à 21 ans, j'avais trop enchaîné de contrats. J'avais beaucoup trop enchaîné de contrats. Et tous des contrats terminés, hein. C'est tous des contrats terminés. Mais ça m'a appris la vie, hein. Et j'étais très vite tôt avec mon propre chez moi et tout ça. Ça m'a très vite appris la vie. Et ça, c'est une bonne chose. Mais d'un côté, c'est dur parce que moi, je leur dis, restez chez papa, maman, mais pas avec la psychologie du mec, mais la psychologie de l'homme, où il va économiser pour pouvoir avoir un bon petit chez lui avant de rentrer dans la vie active. Parce que, enfin, il va avoir une vie active s'il travaille pendant qu'il est chez papa, maman, il travaille, mais il va économiser. Il n'y aura pas de loyer à payer, t'auras pas d'électricité, t'auras pas internet à payer, t'auras pas ton portable à payer, t'auras pas les abonnements de stream à payer, des trucs comme ça. Ça c'est des trucs que vous ne voyez pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à payer par mois. On dit, ouais, tu gagnes 1400 euros, t'es riche. Hey, 1400, il me reste quoi à la fin du mois? Moins 100. Bon, j'abuse. Surtout si t'as une voiture. Moi, j'ai pas de voiture. Et honnêtement, ça m'a jamais servi. Là, je vais vous dire, honnêtement, j'ai 28 ans. J'ai mon permis à mes 19 ans. Je n'ai jamais utilisé la voiture de toute ma vie. Je n'ai jamais eu... De toute façon, d'une, je suis phobique. Donc ça m'a aidé là-dessus. Mais en plus de ça, il y a une échelle. C'est pour ça que je voulais voir avant. Donc d'une, je suis phobique. Mais de deux, bah, j'ai fait des économies de bâtard. Grâce à ça. J'ai fait des économies de bâtard. Putain, mais comment tu ouvres là-haut? Ah, faut trouver le levier maintenant. Fais chier. Donc, oui, il y a beaucoup de... Donc oui, il faut faire la différence entre une femme d'une gamine, hein, clairement, d'un homme, d'un mec. Ce sera plus dur de trouver, vous en tant que femme, ça sera plus dur de trouver un homme qu'un mec, et nous en tant qu'homme, de trouver une femme qu'une gamine, parce qu'on est beaucoup plus... on est moins nombreux. C'est triste, mais c'est la vérité. C'est triste, mais c'est la vérité. C'est pour ça que la plupart des gens sérieux sont seuls. Oh. Oh, bien ça. J'ai 14 torches, il faut vraiment que je les économise. En plus, elles tiennent pas longtemps. J'imagine que c'est pour la trappe au-dessus de l'échelle que je viens de voir. Je pense que ça va être ça. Ah putain, faut vraiment être droit là, t'es sérieux. Donc voici la différence entre... Pas dans le mur, monsieur. Pas dans le mur. Oh, en plus, j'avais un pieu. Il a un petit peu trop affûté pour mon derrière. Ah, il me prend en sandwich. Quelle bande de coquinous, hein, ces petits païens. Hein. Eh, viens là. Viens là, moi. Viens là. Par contre, je vous jure, je ressens une aventure de dingue.
Par contre, c'est des guerriers ou c'est des clowns? Non, parce que clairement. Elle... Ok, on va juste. Alors, je vois pas le cadavre. J'appuie croix n'importe où. J'ai pas envie d'activer une torche. Avec la lumière en contrebas. Il est là le cadavre ou pas? Je vois rien. Je vois que dalle. Hein. Vous peut-être que. Est-ce que vous voyez. Attends. Moi, d'après ce que je vois un peu mieux. Là. Là, il y a un cadavre. Là, il y a un cadavre ici. Là, il y a un cadavre ici. Mais est-ce qu'il y a des choses sur lui? Ok, il n'y a rien. Ah, je suis empoisonné! Ah, les bâtards, ils ont vraiment des petites fléchettes qui m'empoisonnent. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Putain, ils ont des petites fléchettes qui empoisonnent les bâtards. Les petites bretères. Il va falloir des petits medikits quand même. S'ils doivent m'empoisonner souvent. D'ailleurs, je vais faire même une save. J'ai pas envie de me refaire déglinguer comme je viens de me faire déglinguer là. Dans un petit coin. Y'a rien. Ok. Ok, donc c'était bien pour ça. Hein. Excusez-moi, je parle pas. C'était juste parce que j'essayais de voir s'il y avait des choses que je devais manquer ou pas. Avant de poursuivre. Parce que je savais où aller, mais je savais pas s'il y avait d'autres choses à récupérer. Ce qui est important. On essaie de revenir du Nevada, là. De la prison où j'ai tout perdu. Où j'avais des missiles nucléaires et tout. D'ailleurs... À quoi servent les missiles que tu récupères au début du jeu si tu ne peux même pas les utiliser avant? C'est débile. À moins qu'on devait récupérer le lance-roquette bien avant, même le Nevada. Mais si tu perds tout à la fin et que tu récupères même pas les armes que t'as perdues... Alors, même ODT, et là par contre je défendrai ODT, pour une fois, sauvegardez ça dans vos mémoires. D'ailleurs j'ai rien récupéré là-haut quoi, j'ai rien activé, on est d'accord. ODT, quand tu perdais ton inventaire, parce que oui, tu perds aussi ton inventaire, c'est bande d'enfoirés, tu perds ton inventaire. C'était mon titre de vidéo, je crois, à l'époque. Mon inventaire, bande d'enfoirés, mon inventaire. Un truc comme ça, je crois que j'ai écrit un titre comme ça dans ODT. Parce que oui, tu perds ton inventaire, mais par contre, quand tu récupères ce dernier, alors, je regarde un peu le streamers en même temps, parce que je vois mieux avec le streamers. Quand tu récupères donc ce dernier, tu récupères tout ce que tu as perdu pendant ta partie en fait. Tu récupères tout ce que tu avais fait pendant ta partie. Alors que là, avec ta... ah putain c'est là. Avec Lara, ou Nevada, quand tu perds ton inventaire, tu perds ton inventaire. C'est tu le récupéreras pas. Et ça c'est c'est un défaut. Voilà, je vous le dis, c'est un défaut. C'est une des rares défenses que je peux donner à ODT par rapport à Tomb Raider sur ce coup-là. Est-ce qu'on peut monter là-dessus? Y a un moyen. Hein. Y a un moyen. Hein. Je veux que j'aille là, mais y a un moyen là. Hein. Y a un moyen de filouter quelque chose. Hein. Ah! Y a quelqu'un qui veut mettre sa lance dans le huc. Il est où? Il est là. Yolé, motherfucker, yolé! Tu peux pas battre les armes du 21ème siècle, fils de... Même 20ème siècle, je dirais. 20ème siècle, faut en foirer. Eh, mon gars, t'as des siècles de retard, là, avec ta lance. Ok, donc là, on peut aller là, mais là-bas... Qu'est-ce qu'il y a là-bas, hein? Pas un petit truc pour grimper? Ah, ok, il va falloir qu'on mette la plateforme au-dessus du feu pour pouvoir passer ici. C'est cool, c'est cool. Oh, les crânes, quoi. C'est des fresques, hein. Les crânes aussi gros, ça existerait pas. Même si c'est pour faire de... Non, c'est juste des fresques. Je pense que c'est des fresques. Ouh. Oula. Je vois rien. Merci. Y'a rien, là. Oh, les bâtards. Oh, c'est quoi, cette zone de mort? Regardez ce que je vois, là. Ah, c'est au cas où que tu veux tricher. Ils ont mis ça, là, je pense. Au cas où tu veux tricher et gagner un peu de temps. Alors. Maintenant, je vais m'aider de mon streamlabs pour voir un peu mieux, quoi. Bon, là, je vois même pas avec le streamlabs, je vois même pas trop, en fait. À moins que ce soit un mur. Ça a l'air d'être un mur. Là, tu peux pas grimper avec croix. C'est pas mal, le streamlabs, ça va permettre de voir un peu mieux l'écran. Je crois que je vais m'en servir maintenant. Si vous me voyez tourner la tête, c'est normal, hein, dans les endroits sombres. Je vois très bien ce qui se passe. Ah, là, il y a un truc par terre. Il y a un harpon. Vous voyez pas, mais il y a un harpon, voilà. Eh, comme quoi, hein.
besoin de la lampe torche, hein, quand on a deux écrans. En fait, il y a une luminosité un petit peu plus supérieure au niveau de deuxième écran en même temps. Donc tu vois un peu mieux, et vu que j'ai la doublette ici, à côté. C'est plutôt cool. Ah! Fuck! T'inquiète pas, j'avais fait une petite save. Ici? Ok. Là, il faut trouver l'endroit où je peux glisser sans me prendre les pics pour marcher ensuite. Ah ah. Est-ce que je peux juste glisser et appuyer R1? Ok, tu prends des dégâts. Je déteste ça quand le jeu t'impose de prendre des dégâts. Ah, c'est une dinguerie, quoi. Ah, j'aime pas ça. Ah, le nombre de fois qu'on me l'a fait dans Tomb Raider. Oh, le pire, c'était le canoë, là, dans le 2. Aïe, aïe, aïe. Ah! Je recommence pas. Le coup des pics. Ok. T'inquiète pas. Tout va bien se passer. En 21 minutes? Putain, on a fait des choses en 21 minutes. Je pensais que c'était un peu plus longtemps l'épisode, tu vois. On va bientôt s'arrêter. Là, c'est quoi? Là, c'est pour le. Ouais, c'est pour ça, c'est pour la plateforme. Oh, c'est pas timé, ta mère. Ah! Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je sais pas si c'est timé, donc j'ai pas le temps. Au revoir. Salut! À la revoyure, hein. Ok. Au pire, on descend ici. Voilà, parfait. On prend l'échelle. Et un qui va venir dans mon cul, non, c'est bon. Et vous savez, j'allais parier sur le fait qu'il y en a un qui allait m'arriver dans le cul avant que je monte dans l'échelle, tu vois. En vrai, j'aurais fait. Ok. J'espère juste que c'est pas timé, quoi. J'espère juste que c'est pas timé. Fuck! C'est quoi cette merde? Non, vas-y, allez, là, Lara. Ça, c'est que t'es pas au milieu qu'il faut pas mettre tes jambes. Vas-y, merci. Ça me mettrait 3 heures à monter, quoi. Putain, tout ça pourquoi. Vous savez pourquoi il a pas voulu là? Juste parce qu'il y a une porte à droite. Donc il faut qu'on aille à droite et non à gauche. Il y a une porte à gauche. Et c'est pour ça que je pouvais pas y aller. Enfin, vous voyez, la porte elle est à droite, mais c'était à gauche de l'échelle avant. Faites pas chier. Faites pas chier. Mon cerveau, je me suis très bien compris. C'est bien essentiel. Ok. Je veux une meilleure vue, s'il vous plaît. Une meilleure vue là, je veux un zoom! Putain! Oh là là! C'est ça les détails qu'on voulait à l'époque, putain! Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut là, on veut pas du concorde de merde là! J'arrive pas, bordel! En même temps, putain, concorde quoi. Je sais même pas si je. Ce jeu a réellement existé là? Mais qui veut des jeux comme ça en vrai? Qui en veut en fait? C'est ça le truc. Aujourd'hui, je me pose la question en fait. Nous, on veut rêver, hein, on veut pas pleurer. Laissez-nous dans nos rêves. Ne détruisez pas, ça me tue. Bon, j'arrive pas là! Mais putain, j'y suis allé du premier coup tout à l'heure, j'arrive plus. Ah! Ah! Et là, le truc, il est rouvert. Enfin, il est refermé. Je sais, là, ça va me gonfler. Je sais que c'est pas très. Imaginez, hein! La sauvegarde, hein, à l'époque. D'accord! On vous souhaite une agréable journée, de bonne soirée, bisous, c'était Xana sur Tomb Raider 3. Et tchou!